is Eva Prados. I'm from Puerto Rico. I'm the executive director of the Citizens Commission for the Audit of Public Debt in Puerto Rico. So I'm here with the International Council of the KDTM, el Committee of the Abolition of Illegal Debt. I'm part also of the our committee in Latin America, that is the KDTM AINA, that a group, the different countries in Central Caribbean and Latin America that had been affected for the debt, for the public debt of their states, and also with the special influence in some of them of the FMI and the World Bank. Well, we are really happy to be here to share experience, to know more about what is going on with the people of different countries all over the world that had been affected by the austerity measures and by the different politics and policies that had been putting people in more poverty just for give more money to the financial world against, at the same time, of our human rights. I'm very happy to be in the Counter Summit that will be going on here in Marrakesh during the next week, and that will be talking to about how the World Bank and the FMI has been affected their policies to our countries. Salut, moi je m'appelle Sushovanda. Je viens de l'Inde, je suis membre du Conseil international de CADTM. Comme vous savez que la région, l'Asie du Sud, de l'Inde, Pakistan, Népal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives et Bhoutan, il y a un quart de la population, 25% de la population mondiale qui habite dans cette région. Donc cette région aujourd'hui, c'est dans une crise très grave, très très grave. En fait, deux pays dans la région sont dans une situation de défaut, Pakistan et Sri Lanka. Et il y a un mouvement assez fort contre la dette, contre des accords avec le FMI. Même la situation au Bangladesh, c'est avec la dette, c'est une situation très grave. On a remarqué la croissance de la droite, de l'extrême droite, du groupe néofasciste, de croissance de sectarisme religieux, ethnique dans cette région. Au parallèle, il y a une croissance des inégalités, de pauvreté, de désemploi, etc. CADTM est bien impliqué dans la lutte contre la dette dans cette région. On a suivi la situation de Sri Lanka. En fait, on faisait plusieurs interventions au Sri Lanka, y compris un atelier de l'Asie du Sud qui avait lieu à Colombo, au Sri Lanka, en décembre 2022. Pour nous, la participation avec mes collègues de l'Asie du Sud, de Sri Lanka et Pakistan, au contre-sommet contre la Banque mondiale et FMI et le FMI est très très important parce qu'on doit faire la revendication de notre propre souveraineté de peuple. On doit faire des revendications contre les impacts des politiques imposées par le FMI et la Banque mondiale dans cette région, notamment le néolibéralisme et aussi le soutien au gouvernement autoritaire, dictateur, etc. Donc oui, on rejoint nos camarades du monde entier pour faire ces revendications contre le FMI et la Banque mondiale. Et on dit World Bank and FMI, out of Asia, out of the world. Je suis Rim Mathloufi, membre du bureau du réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire, les SIEDA.
Et je suis là pour participer à deux événements importants qui sont bien sûr le contre-sommet du FMI et de la Banque mondiale, mais également de l'Assemblée du CADTM. Le CADTM est un mouvement, est un groupe international important à garder, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui des crises nombreuses dans le monde, crise économique, crise climatique, crise des migrations. Et toutes ces crises-là, aujourd'hui, nous avons dans nos pays, tous, que ce soit en Europe ou dans les pays d'Afrique, l'Amérique du Sud, dans tous les pays du monde, nous avons aujourd'hui à la tête de nos pays des personnes et des groupes qui ne servent que des intérêts personnels et certainement pas des intérêts communs et des intérêts des peuples aujourd'hui. Aujourd'hui, les dettes que nous avons dans tous nos pays sont inadmissibles et on continue à maintenir nos pays qui ne sont réellement pas souverains dans des dettes illimitées qui, de toute façon, à un moment ou à un autre, vont devoir être annulées, tout simplement. Pourquoi annulées ? Parce qu'elles sont illégitimes. Et parce qu'en plus de ça, nous n'avons pas les moyens de les payer. Et même si nous avions les moyens de les payer, elles sont de toute façon, et elles restent illégitimes. Ces dettes sont de toute façon montées et créées pour rendre les peuples non souverains, justement, et dépendants, toujours, de l'extérieur, de l'étranger. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Le groupe CADTM est là, aujourd'hui, pour d'abord affirmer sa présence dans ce sommet, ce contre-sommet du FMI et de la Banque mondiale, et également pour faire le point sur la situation dans le monde et dans tous nos pays. Nord-Afrique, dans le monde, en Amérique du Sud, et ça, c'est très important de se rencontrer une fois par an au moins pour faire ce point et pour essayer de mener une stratégie commune pour pouvoir lutter contre ces dettes illégitimes et pour la souveraineté des peuples aujourd'hui dans le monde. Je suis chargée du plaidoyer politique du CADTM Afrique et membre de la coordination des luttes féministes. Aujourd'hui, nous sommes là pour la rencontre de la commission du CADTM, le Conseil international. C'est vraiment pour discuter le bilan même que les différents groupes ont eu à faire au niveau Afrique, Europe, Amérique et Asie. Notre rencontre, vraiment, c'est pour vraiment débattre les perspectives qu'on peut vraiment mener au niveau mondial afin de faire des alternatives pour faire des actions simultanées et en synergie d'action avec nos luttes. Nous sommes là aussi par rapport au compte sommet qui est vraiment la réunion annuelle de la Banque mondiale et du FMI. Nous sommes là pour débattre les politiques, pour dénoncer les politiques même de ces institutions qui détruisent nos pays, surtout la population et plus particulièrement les femmes. Nous sommes là pour dénoncer les politiques qui sont en train de mener au niveau mondial. Maintenant, nous sommes là aussi pour débattre les actions qui sont menées par la coordination des luttes féministes au niveau Afrique. On a eu à faire l'activité du 8 mars qui a eu vraiment un effet, vraiment qui a fait du boom parce qu'on a dénoncé les dettes illégitimes, le problème des microcrédits et puis on a donné des alternatives des femmes pour vraiment mener à bon port notre lutte qui est vraiment une lutte noble pour la cause féminine. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araceli. Soy de la Delegación de México de la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública.
El problema en México y en Latinoamérica es que más del 50% del Producto Interno Bruto se va a pagar las deudas ilegítimas y odiosas que han hecho los gobiernos neoliberales anteriores. Y esto repercute en que no existe presupuesto suficiente pues para educación, para atender a grupos vulnerables, a grupos de mujeres, feministas. Tampoco se está atendiendo el asunto de la soberanía nacional. Existe el problema de la agricultura a gran escala que lleva como consecuencia el aumento de los transgénicos que causan muchos daños a la salud. También otro problema es que no existen medicamentos suficientes en los sectores de salud y mucha gente queda vulnerable a no tener acceso a los servicios de salud. Una deuda que cargamos y que no, ni siquiera se ha pagado el capital original es la del Fobaproa, en la que una deuda privada se convirtió en deuda pública. También existe el problema de que las grandes empresas llegan a invertir en México y el problema es que ahora está existiendo mucho saqueo de agua y recursos hídricos. Los ríos cada vez están más contaminados y las afectaciones son en la salud de las personas, sobre todo los más pobres. My name is Abdul Khalik and I'm from Pakistan. I'm working with CADTM for the last 15 years. I'm representing here CADTM Pakistan now. It's really great to see quality mobilization by CADTM Attack Morocco. Today is the first day of International Council meeting of the CADTM. And it is after the, COVID, it is the first time I'm joining this meeting. And it's really good to know about the work of the CADTM Secretariat in Morocco and Belgium for the, during the COVID and after the COVID. Well, as far as CADTM Pakistan is concerned, we have been working on the, domination of debt and for the debt justice for the last 15 years, and we are in close contact with the CADTM Asia, like Sri Lanka and India. And this is, as far as Pakistan is concerned, we are highlighting the issue of debt domination by the IMF and the World Bank, because Pakistan right now is in a very grievous situation. It is almost on the verge of, default after the Sri Lanka. So it's there is a great need to mobilize our people in Pakistan, and we are doing that. Then there is a, as far as Counter Summit is concerned, this very important event, because we know IMF, World Bank, they are propagating their, agenda of, they are doing good for this planet, but we know they are the real culprits who are, working against the interest of the people. They are destroying the economy, they're destroying the, climate, they're destroying, they're creating, joblessness. Their policies are actually destroying the economies of the nation. And we are here, and I'm here, I hope so, to challenge them, to counter them, that what is our perspective, what kind of world we want. We want a world where IMF, World Bank, actually should not exist. They need to be replaced with new institutions who respect human rights, who respect the rights of the other nations. So a lot of hopes from this counter summit, and I hope that the people of Marrakesh, the other civil society organizations from around the world are will amplify their voice for the debt justice in the world, and these two institutions must, we don't need them to correct their policies, we need them to replace with the new institutions. Thank you very much. العرب الحفيظي عضو السكرتاري الوطني لاتاك المغرب و المجلس الدولي لسيادتهم. هذا المجلس ينعقد
لمناقشة واحد المجموعة ديال القضايا أهمها تبادل التجارب ديال مختلف المناطق سواء تعلق الأمر أفريقيا آسيا أوروبا. إذا كانت فرصة العرض التجارب ديال هذه المناطق كلها ومناقشتها واستخراج الخلاصة منها. الحاجة الثانية بالنسبة لسي دي تي إم لعبت واحد الدور في المنطقة أساسي وأن المهم واحد العدد ديال العلاقات اللي بدات تتشكل مع واحد العدد ديال البلدان منها تونس مصر لبنان، والهدف طبعا هو التوسيع ديال الشبكة وخلق الحضور ديالها بهدف خلق واحد الجبهة قوية للمناهضة ديال الديون وديال التبادل الحر أيضا اللي تنعتبروها واحد السياسات إجرامية في حق شعوبنا ذات الخراب ديال هاد البلدان والتدمير ديالها والعرقلة التنمية والنهب ديال الثروات ديالها. الحاجة الثانية بالنسبة للمجلس الدولي، المجلس الدولي احنا كعضو في الشبكة دولية وإقليمية وقارية ساهمنا بشكل كبير في إنجاح القمة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وبالمناسبة سننظم أيام مضادة من 12 حتى 15 أكتوبر الجاري، غتبدا بمسيرة غتنطلق مع 10 صباحا يوم 12، وطبعا بعدها غادي يكون واحد العدد ديال الندوات والورشات اللي غتكون مناسبة طبعا باش نعمقوا النقاش حول قضايا الاهتمام المشترك. Bonjour, je suis Anne Thyssen du CLETM Belgique. Je suis aujourd'hui présente à Marrakech pour bien me positionner publiquement par rapport au sommet qui se passe actuellement et qui rassemble le FMI et la Banque mondiale. Donc nous participons au contre-sommet. Quand je dis nous, c'est une délégation de 7 personnes autour de la personnalité de Éric Toussaint. Nous sommes 7 jeunes militants qui participons aux activités du CADTM, c'est-à-dire du comité d'abolition des dettes illégitimes. C'est pour ça que nous sommes là, pour être à côté de tous les autres partenaires et groupes du CADTM Afrique, du CADTM Asie, du CADTM Amérique latine. Parce qu'il est très important que l'on constitue une sorte de front commun, que l'on montre que partout dans le monde, nous sommes conscients de la problématique de la dette et nous sommes conscients du fait que le FMI, le Fonds monétaire international, et la Banque mondiale, par leur politique, continuent à maintenir les États du Sud et du Nord, d'ailleurs, dans un système de dépendance économique et politique qui est aujourd'hui inacceptable et qui ne cesse de s'aggraver, notamment en raison de crises multifactorielles. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Bonjour, je suis Suleiman Sampego de Attac CADTM Burkina. Nous sommes là dans le cadre des activités alternatives aux activités de la Banque mondiale. Voilà, et invité par le secrétariat aussi partager du CADTM. En tant que militant et participant à ce contre-sommet, nous sommes là pour également porter nos contributions comme alternative aux activités qui se mèneront. Voilà, et nous souhaiterons aussi que dans le cadre de ces activités-là, qu'il y ait plus de relais pour qu'il y ait des alternatives qui puissent profiter aux populations. Dans ce cadre, dans nos activités que nous menons au niveau du Burkina, nous avons aussi des points de formation et qui permettent aussi à la jeunesse de se booster, de se former et avoir quand même un bagage pour mieux coordonner nos activités. C'est surtout dans ce sens que nous participons à cette activité-là et nous souhaiterons qu'il y ait plus d'alternatives dans ce jeu
Et également, nous félicitons l'engagement de Ataxi ADTM Maroc, qui, avec plus d'égards, a pu mobiliser tout le monde du CADTM Afrique et autres pour la participation à cet événement. Et vraiment, je vous remercie. Merci à vous.